Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc, il est très tôt, vous allez entendre le PC souffler parce que je vais attaquer mon montage et vous avez les titis qui râlent. Donc, il est 7h52, il est très tôt, je viens de me lever. Je me suis levé. J'ai fait une grasse mat aujourd'hui, je me suis levé à 7h30. Ouh, bravo moi. Donc c'est de retard. Je sais plus. Mais après 7 heures, c'est un exploit. Je me suis levée, chérie était déjà partie, ce qui est très rare. J'attends 3 colis Amazon. Je vous montrerai ça quand je les aurai reçus. Et il y en a un quatrième, mais il arrive que vendredi. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est un crash test qu'on fera le 2 septembre pour tester. Enfin, moi je le ferai certainement, mais pour... la coloration des sourcils, parce qu'hier j'ai épilé mes sourcils et j'en ai pas mal des blancs, donc j'ai pas ça. Alors attendez, je prends mon carnet pour vous raconter mon petit week-end qui est très long. Ça va encore être une intro de 15 km de long. Du coup je parle stèse, c'est bien, et vous voyez j'arrive à commencer à les éduquer. Alors, vendredi j'ai fait principalement du montage et un peu de couture. Et le soir, enfin vers 17h, j'ai été chez le médecin. Donc c'est un nouveau médecin, je vous avais expliqué, donc je vais vous expliquer ça parce qu'on m'a posé des questions sous le précédent vlog. Donc mon médecin, je vous ai expliqué dans le précédent vlog que mon médecin traitant déjà habite loin, puisque c'est toujours celui de où avant on habitait il y a 6 ans. Hein. J'ai eu du mal à changer parce que voilà, ça fait 25 ans qu'il s'occupe de moi. Enfin de la famille, hein, il nous connaît tous très bien, sauf que ben, il devient beaucoup trop vieux, je crois qu'il est à 72 ans, donc il est temps qu'il prenne sa retraite. Ça fait plusieurs fois que je l'appelle pour avoir des ordonnances pour mes cachets et qu'il oublie de me les faire, donc on se tape vireton où je faisais courir quelqu'un pour aller les chercher alors qu'elles n'étaient pas faites. La dernière fois j'ai quand même appelé 3 fois et j'ai jamais eu mes ordonnances, donc il fallait que je trouve un médecin un peu plus proche et un peu plus jeune, on va dire ça comme ça, qui est plus adapté à l'informatique et aux recherches et tout ça, enfin bref. Donc j'ai pris rendez-vous, normalement j'avais vu que c'était un médecin ici à Aubange, mais finalement c'est à Allons-y, donc c'est le Patelin juste à côté, on est à 10 minutes, hein, 10, ouais, 10, 10 minutes, 10-15, et c'est une femme, franchement... Très bon rapport dès le départ. J'ai pris rendez-vous en ligne parce que c'est ce qu'elle fait. Très bon départ avec elle. Franchement, j'allais pour renouveler mes ordonnances principalement et voir si elle acceptait de reprendre mon dossier parce que c'est très dur de trouver un médecin traitant maintenant qui accepte des nouveaux patients. Et génial. Franchement, premier rapport topissime. Elle est plus jeune. Ouf. Elle sait servir d'un ordinateur, re-ouf, et du coup, donc elle me dit, oui, bah écoutez, on va déjà faire une première connaissance, hein, et on va voir un peu vos problèmes de santé et tout, que je sache un peu, donc elle a été voir mon rapport qui est censé être informatisé, sauf que tout ce que mon ancien médecin a reçu par mail, il n'a pas introduit dans mon dossier électronique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas ma radio pour mon dos, donc l'hernie discale et l'arthrose. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qu'il n'y a pas. Et elle va essayer de voir si elle sait les retrouver directement à l'hôpital. Hein. Mais bon, bref, ça, voilà. Et alors elle me dit, ben dites-moi un peu les problèmes que vous avez, comme ça je note et on voit ce qu'on doit régler en premier. Donc, je lui explique que j'ai rendez-vous le 8 pour voir pour la fibromyalgie, ce qui peut déjà aussi pas mal expliquer d'autres soucis de santé. Mais alors, je commence, je lui dis, ben, j'ai fait une sleeve, enfin, déjà, j'ai eu un cancer, j'ai fait une sleeve, j'ai une hernie discale, j'ai de l'arthrose, j'ai, donc, je suis en dépression, j'ai un ulcère. Elle me dit, c'est tout? Non, non, attendez, je réfléchis. Et puis, ben, voilà, je lui énumère tout ce que j'ai. Je lui dis que j'ai des palpitations aussi, donc ça, ça l'a beaucoup inquiété. Alors que mon autre médecin me disait, ben repose-toi. Et elle me dit, tout ça,
à votre âge? Elle dit, oh là là, mais c'est incroyable. Elle dit, j'espère vraiment que la plupart est liée à la fibromyalgie, comme ça on n'aura plus qu'à traiter les bobos qu'il y a sur le côté. Bref, je suis toute cassée, quoi. Et là, elle se décide de prendre ma tension. Elle n'aurait pas dû, parce que je crois qu'elle a eu une hausse de tension d'un coup quand elle a vu ma tension à moi. Je suis à 8 de tension. Elle me dit, mais enfin, elle dit, vous ne pouvez pas rester avec 8 de tension. Elle me dit, vous devez être fatiguée. Bon, je dis, oui, je me réveille, je suis fatiguée. Je me réveille le matin, je suis fatiguée. Je me réveille demain, je suis fatiguée. Enfin, bref, je suis fatiguée H24. Elle dit, mais c'est normal avec une tension pareille. Et je crois qu'elle a fait un bond de tension chez elle quand elle a vu le peu de tension que moi j'avais. Elle dit, non, non, là, il faut trouver une solution. Donc, elle m'a déjà prescrit une prise de sang. Elle m'a fait mes ordonnances qui sont sur ma carte d'identité pendant 3 mois. Et dans 3 mois, je vais retourner la voir pour voir un peu ce que le rhumatologue, ma prise de sang et tout ça auront donné pour renouveler mes ordonnances, qu'elle fera automatiquement suivant le laps de temps qu'on devra se revoir. Donc, si j'ai pas trop de problèmes de santé et à ce moment-là, qu'il n'y a pas trop d'examens, de suivi à faire, elle renouvellera pour 6 mois. Sinon, si on doit se revoir, elle fera pour 3 mois. Et voilà. Donc, je n'aurai plus de problème d'ordonnance. Ça, c'est déjà un bon point. Et au moins, elle cherche à comprendre ce qu'il y a. Donc, elle pense que je fais de l'anémie. Donc, elle m'a demandé d'enlever mes lunettes. Elle a regardé mes yeux. Je ne sais pas trop pourquoi. Et là, elle a ajouté plein de choses pour la prise de sang. Parce qu'elle veut savoir. Et elle dit en même temps, comme ça, le rhumatologue aura le bilan sanguin avant. Ma visite. Ils se réveillent donc ils se battent. Voilà, c'est leur passion du matin, se battre. Hey, psh! Du coup, j'irai, chérie est en congé à partir de la semaine prochaine pour 15 jours, donc j'irai faire ma prise de sang à ce moment-là. Et elle a dit, une fois qu'on en saura plus pour la fibromyalgie, on verra ce qui reste à traiter. Parce qu'elle veut que je prenne rendez-vous chez un cardiologue, mon médecin conseille aussi hein, d'ailleurs. Donc voilà pour le médecin. Franchement, je suis ravie, j'ai trouvé un médecin, un très bon médecin. Le soir, j'ai retrié mon linge trié, donc d'où les sacs qui sont juste là. J'avais 5 ou 6 sacs de linge que j'avais trié, donc dans les trucs que je gardais pour mettre en vente sur Vinted que j'ai jamais mis. Et dans ma garde-robe, puisque vous avez vu dans le dernier vlog que j'ai fait un gros tri. Et du coup, je me suis dit après, une fois que j'avais tout trié, j'ai dit, mais t'es con, pourquoi t'as pas gardé, enfin, pris tout ce qui était ruban, élastique, voilà, des choses comme ça. Donc j'ai tout retrié pour enlever tous les élastiques, comme ça me fait des économies d'élastiques. Et donc j'ai retrié ça, il nous reste 2 sacs à les déposer sur le. On en a déjà déposé 5 ou 6, je crois. Oui, j'ai appuyé sur le linge. Et après, j'ai un peu fait de montage pour le vendredi. On en est qu'au vendredi, hein. Le samedi, j'ai tourné le réel avec la 669 que vous avez déjà eu. Oui. On a été chez Sephora pour utiliser ma carte cadeau. Je vais vous montrer. Parce que au départ, je voulais faire en click and collect, n'est-ce pas? Parce que c'est beaucoup plus simple. Auchan, il n'est pas loin. Enfin, le Sephora est pas loin et tout. Donc, je voulais faire en click and collect. Et je dis sur la carte, c'est écrit en tout petit petit. Que c'est valable sur Internet, c'est valable en boutique, mais pas pour le click and collect. Sephora, quoi. Merci, Sephora. Donc, moi, j'y allais principalement pour me reprendre mon crayon noir. Donc, j'en ai pris 3. Voilà, là, je suis tranquille pendant un bon moment, mais je suis tellement contente d'avoir retrouvé mes petits crayons noirs, parce que j'arrive pas à trouver un qui lui arrive à la cheville. Et du coup, j'en ai profité pour me reprendre 2 backups du Deep Pro Gel de Anastasia, parce que j'ai un réel coup de cœur sur ce produit. Sauf que là, ils n'avaient pas la teinte Ash Brown, donc j'ai pris Dark Brown. On verra ce que ça donne. De toute façon, bon, je vais dire au pire, c'est gratuit. Alors, je les ai gagnés grâce à un concours, enfin, à une vidéo. Voilà. C'est Sephora qui m'a envoyé la carte cadeau. Et alors, je m'étais dit, je vais prendre tout de suite un grand format. Grand format qui est donc à 27 euros. Les deux petits sont. Enfin, le petit est à 13 euros. Et c'est exactement la moitié du grand. Donc pour les deux, je gagne 1 euro. Il vaut mieux prendre 2 petits qu'un gros. Et en plus, comme ça séchera moins vite. Du coup, j'avais vu sur le site qu'ils avaient un coffret avec le mascara et le crayon qui n'était pas dispo en boutique. Donc chérie m'en fait le mascara, parce que je l'adore.
Et il a voulu prendre un savon pour les mains. Il a pris celui-là au Cherry Blossom. Il aime beaucoup les savons pour les mains de chez Sephora. Et moi, j'aime beaucoup la fleur de cerisier. Donc, on va le sentir quand même. Je m'en fous sur le pif. Alors, qu'est-ce que ça sent? Ils avaient au Monoï aussi. Mais bon, j'adore la fleur de cerisier. J'adore celui qu'a choisi. Voilà, il est accro au petit savon pour les mains. Je ne cherchais pas à comprendre. On en a des bidons comme ça là en dessous, hein, mais il va m'acheter un petit comme ça de chez Sephora. Donc voilà, et il m'a offert le mascara. Donc on a fait ça, on a été à la pharmacie, on a été déposer mes colis. J'ai fait de la couture et je me suis commandé sur Amazon une latte de couture que j'attends aujourd'hui. Mais c'est pas tout, j'en ai commandé le dimanche. Donc le dimanche, j'ai été réveillée à 4h45 par ces petites choses-là qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, qui aboyaient. Alors, sur Insta, on m'a demandé, j'avais partagé la story, je m'étais fait réveiller par leur aboiement. Donc oui, ça aboie. Ça aboie pas comme des chiens. Enfin, ça fait... si, ça aboie un peu comme des chiens, mais des petits... On dirait des chiots extraterrestres. Je sais pas, ça fait un peu des petits poètes. Mais je les ai entendus jusqu'en haut quand même. Et donc je me suis levée, ils ont regardé un peu ce que moi je faisais, du coup, parce que j'aurais demandé ce qui se passait. Et puis ils vont se recoucher. J'ai dit non mais vous foutez de ma gueule. Vous foutez franchement de ma gueule. Et après de 5h du matin jusqu'à 9h, ouais 9h30 peut-être bien, ils allaient dormir 15 minutes, ils redescendaient bouffer. Ils allaient dormir 15 minutes, ils redescendaient bouffer. Et entre-temps, ils regardaient ce que je leur donnais à bouffer. Enfin si je leur donnais quelque chose à bouffer. Enfin bref, ils m'ont fait rire, même qu'ils m'ont réveillé. Je les adore ces petites choses là, je peux même pas leur en vouloir. Je me suis vengée ce soir quand même, je les ai réveillés plus tôt que prévu pour qu'ils testent le mur, parce qu'on a installé le mur, je vais vous montrer juste après. Bon, ils ont un peu bugué, hein. Ils sont restés juste là sur le petit truc, puis après ils sont rentrés dans la cage. Mais je veux pas trop les forcer, parce qu'il faut que ça reste une activité agréable pour eux et pas les forcing. Donc comme ça, ils ont vu que de là, ils pouvaient aller jusqu'à la cage. Donc ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Comme ça, ils se sentent en sécurité. Et au fur et à mesure, ils vont prendre la confiance et aller voir un peu plus loin. Puisqu'on leur a fait jusque à la fenêtre de l'autre côté. Donc je vais vous montrer ça juste après. Avec le téléphone, ce serait plus simple. Du coup, j'ai commandé aussi des nouveaux ciseaux de couture. Parce que celui que j'ai acheté chez Action... il coupe, hein. Mais pas si le tissu est en deux. Voilà. Donc c'est un peu chiant quand vous devez faire un patron ou des choses comme ça, vous coupez votre tissu. Et c'est là que j'ai commandé la colo pour les sourcils aussi. Donc ça sera un crash test. Là aujourd'hui, je reçois les ciseaux, la latte et les aiguilles que j'ai recommandées. Donc j'espère qu'il n'y en manquera pas cette fois-ci dedans. Hein. Sinon, je ne prends plus celle-là. Et voilà, j'ai tourné ma pose américaine. Alors, vous m'avez demandé amende. Sauf que je les avais fait un peu longs. Et je les ai déjà coupés. Voilà. Parce que, en fait, hier, j'ai eu un gros problème de couture. J'en ai bavé hier pour faire ma pièce. Donc, c'était du upcycling. Je suis très fière des deux pièces que j'ai fait ce week-end. Mais le tissu se coinçait dans la grippe pour le faire avancer. Et avec les ongles, c'était juste impossible d'essayer de l'enlever. Donc, j'ai dû les couper parce que ils étaient trop longs. Mais c'est vrai que j'avais abusé sur la longueur. C'est parce que je voulais garder la belle forme à mon, mais j'ai abusé sur la longueur. Bon, j'ai quand même toujours ma pose américaine que vous aviez choisie, sauf que c'est plus la bonne forme. Mais bon. Et donc, bah, du coup, après, j'ai refait ma couture, j'ai continué ma couture, et on a fait un petit peu sortir les titis, mais je vous dis, ils ont bugué juste ici, quoi. Voilà, pour mon week-end. Et ça fait déjà 15 minutes de vlog. Il y a le chat qui revient, je le vois, dans le jardin. Sinon, normalement, cette semaine, je reçois aussi ma commande Glam Shop. Là, j'ai bien avancé aussi dans mes vidéos. Enfin, j'ai toute la semaine qui vient de passer pour vous déjà, et j'en ai déjà deux de faites pour la semaine prochaine. Donc là, il me reste à attendre ma commande Glam Shop pour vous tourner le crash test Glam Shop. Et voilà. Sinon, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire.
Ouais, je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'allais ranger mon petit bordel et faire mon montage en attendant le facteur. Parce que la vidéo des ongles, il faut que je la fasse en voix off. Parce que je l'ai tournée hier matin. Donc, chérie dormait, donc j'étais réveillée très tôt. Et du coup, j'ai filmé comme ça en regardant des vidéos. Enfin, j'ai filmé ici d'ailleurs. Et je vais faire la voix off. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de voix off. Mais il faut que je le fasse avant 10h parce que Enzo rentre à 10h. Donc, je vais faire ça maintenant. Oh, j'ai l'œil qui me brûle. J'ai même pas fait mes soins, rien encore. Hein. Je viens de me lever il y a 1 heure quoi, maintenant. Je vais me refaire un petit café. Et je vais faire ça et attendre le facteur et après couture. Voilà. J'avais dit que j'allais beaucoup coudre ce week-end, mais comme on est parti déjà pendant un bon moment le samedi, parce qu'on a dû courir un peu à droite à gauche, on a été chez Cora aussi. Je me suis pris une paire de clapettes parce que les autres me tiennent pas bien aux pieds, donc j'avais super mal les pieds dans le magasin. Et faut que je vous montre le mur des titis aussi. Je vais vous filmer tout de suite avec mon téléphone. Et voilà. Ouais. Donc voilà, je vous montre le mur d'activité pour les titis. Donc ça part de la cage. Je vais vous montrer de plus près après. Là, ils sont toujours en train de se battre. Hein. On a mis l'étagère là, ici, celle là au-dessus. Avec mon doigt, ça va pas. On a mis une corde qui passe un peu partout. Là, c'est les trucs que j'avais achetés sur Shein. Mais bon, ils n'ont pas encore été jusque-là. On a quand même mis descendre un bout de corde jusque derrière la télé pour au cas où. Ah, faites pas attention au bordel. Hein. Au cas où il tombe, ce qui est dû arriver. On a mis la barre à rideau, un deuxième truc comme ça. Et voilà, ça va jusque-là. Dans ce coin-là, on rajoutera peut-être par après des activités, mais pour l'instant, il faut déjà qu'ils se décident à aller jusque-là parce que c'est pas le cas du tout. Hier, ils ont bugué à ce niveau-là. Voilà, ils sont restés là. Donc, il faut que j'enlève la lingette. À part faire pipi et caca dessus, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc ici, j'ai fait un nœud avec un truc comme ça. Je peux l'accrocher ici à la cage. Pour, ben voilà, pour qu'il puisse aller dessus. Et j'ai rajouté ici une chaînette. Voilà, toujours avec un mousqueton pour qu'ils puissent, quand ils sont plus bas, aller aussi sur l'étage. Après, ils préfèrent passer leur temps sur mon écran. Et voilà l'état de leur truc une fois qu'ils ont mangé la nuit. Vive la salade. Alors, ils adorent la salade, hein, mais ils me l'éparpillent partout. Il piétine dessus, donc ça colle. Donc là, je vais nettoyer ça. Je viens de leur faire une petite coupelle avec un peu de salade et de mangue parce qu'ils avaient tout bouffé. Et voilà. Là, ils sont en train de se battre dans leur poche. Une poche que j'ai fait moi-même. Et les chichous, ben, ils dorment. Voilà. Maëlle m'a demandé pour les voir un peu plus, mais ils font que dormir avec les températures qu'il fait. Ils dorment. Voilà. Ils font que ça. Ils se couchent très tôt le matin et ils se lèvent très tard le soir. Donc même nous, on ne les voit pas beaucoup. À part quand on les fait un peu sortir. Mais et alors, j'ai nettoyé leur cage hier ou avant-hier. Et ils ont. Regardez, Gougou, ce qu'il fait avec le foin. C'est du foin propre, hein, je leur ai mis hier. Voilà. Et sur la nuit, bah, il trie. Il prend que les branches qu'il aime bien. Et le reste, il fout par terre. Voilà. Merci Gougou. On a retrouvé un bâton sec. Donc un grand. Là, ils ont de quoi faire. Je vois pas de l'autre côté, mais à mon avis, ils l'ont déjà bien entamé. Et là, vous voyez à quel point ils muent. Voilà, ça c'est leur poil. Ah. Bonjour, ma Maguini. Bonjour, ma Maguini. Oh, tu vas te recoucher dans moins de 5 secondes. Hein? Oui. Voilà, la tête qu'ils font. Ils font que ça, en fait, ils dorment. Ils sont pas en forme avec la chaleur, ça leur plaît pas trop. Donc je les laisse au frais, je les embête pas trop et voilà. Par contre, je viens de voir que la plaque au-dessus a bougé. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Il faut que je dise à chérie qu'ils la remettent. Bref, bon, je reprends quand mes colis seront arrivés. Bon, il est 9h24, j'ai fini le montage de ma pause américaine en voix off, donc vous me direz si ça vous convient parce que comme j'ai dans la vidéo, du coup, je pourrais vous en faire plus. Puisque je fais principalement maison. Bonjour Monsieur Prout. Le soir, en regardant des vidéos ici à mon bureau,
Mais du coup, comme ça, je peux vous filmer en même temps et faire la voix off le lendemain. Donc, vous me direz ça, la vidéo, c'est pour vous pour vendredi. Voilà. Et j'ai reçu mes commandes Amazon. Donc, première bonne nouvelle. J'ai reçu mes aiguilles et il y a toutes les aiguilles cette fois-ci. Si c'est pas merveilleux. Donc, il n'y aura plus qu'à les tester. Si maintenant j'en pète une au bout de 10 minutes, je vous jure bien que je les renvoie encore une fois. J'ai reçu ma latte. Donc, c'est une latte spéciale couture qui est graduée de partout. Voilà, elle est graduée ici et ici. Donc, elle fait 30 cm comme une latte basique et 15 cm ici au-dessus. Vous avez des beaucoup plus grandes. Hein. Normalement, c'est pour le patchwork. Vous voyez, pour couper vos carrés de patchwork. Voilà, c'est bien pour tracer les ourlets, les patrons et tout ça. Donc, j'en voulais une. Moi, j'ai une latte basique graduée aussi de 5 cm. Règle pour les Français. Dites-moi si vous dites latte ou règle. Graduée de 5 cm, sauf que les chiffres sont pas très voyants. Ici, au moins, ils sont écrits sur du jaune. Donc, si vous mettez l'autre, c'est écrit en noir sur du tissu noir. J'arrive pas à lire les chiffres. Donc, je voulais une plus. Voilà. Et vous avez aussi des traits ici qu'il faudrait que j'apprenne à me servir. Je pense que c'est pour les angles. Je sais pas trop. Donc, si quelqu'un s'y connaît, peut m'expliquer. Voilà, je suis bien contente. Et j'ai reçu mes ciseaux. Donc, je pense pas que ce soit de la haute qualité. Hein. Je les ai trouvés jolis et pas chers. Bien sûr, je vous mets les liens des articles en barre d'infos. Ils sont holographiques, enfin pétrole, comme ça. Je sais plus comment ce qu'on appelle ça. Enfin, bref. Donc, il y avait le manche en bleu ou en vert. Et j'ai pris en rose. Voilà, j'ai envie. Donc, moi, je vais utiliser principalement le tout grand ici. C'est un 20 cm, je crois. Ah, c'est écrit en pouce. Il me semble que c'est un 20 cm aussi, donc c'est la même taille que l'autre. Et le petit aussi pour la couture. Et celui-là, je vais le garder, je pense, ici pour mes petits bricolages classiques. Donc on va l'ouvrir. Après, je pense pas que ce soit de la haute qualité. Ouais, ils sont pas hyper lourds. Bon, quoique pas lourd, c'est. Bon, on verra bien, écoutez. Hein. De toute façon, je pense pas que ça peut être pire que celui que j'ai là qui coupe même pas deux épaisseurs de trucs ensemble. Donc voilà. Bon, la taille des deux là est pas franchement différente. Et celui-là va bien me servir quand je dois couper un petit bout de tissu qui dépasse et tout ça. Bon, les fils, je vais recevoir mes ciseaux de couture. Mais ça sera toujours. De toute façon, des ciseaux, c'est jamais perdu. Pourquoi tu gueules? Enfin, pourquoi tu veux gueuler? Je crois qu'il ne sait pas lui-même. Donc là, j'attends Enzo. Il me reste donc un réel à tourner. Et bah, je crois qu'on est déjà bon pour aujourd'hui. Hein. Là, je ne sais pas combien de temps ça fait déjà que je filme. Je suis occupée de toute façon depuis 7h ce matin à tout faire. Là, je suis en train d'uploader la vidéo de la pause américaine. Et voilà, après je vais coudre parce que je pensais faire plus de trucs couture ce week-end, mais du coup, comme on a été beaucoup occupé, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. Faut que je tourne les close-up des articles de upcycling que j'ai terminés. Il y en a un autre que j'aimerais faire et je pense que je vais quand même attaquer ma jupe longue pour faire vraiment un peu de la couture plutôt que du upcycling. Je sais pas, je vais voir. Ou alors je termine vraiment le upcycling comme ça j'ai plus les tissus qui traînent là. Je sais pas. Je verrai. Là j'en ai un que je dois faire qui devrait aller très vite. Enfin j'avais dit ça pour l'autre aussi mais finalement il a été très long puisque j'en ai chié grave. Là je pense que ça va aller vite donc je vais faire celui-là après. Une fois que j'ai fini de faire la barre d'infos de ma vidéo, je viens de finir le vlog de la vilaine Fofolle. Et du coup, j'ai envie de ranger mon bureau à Vezelle. Voilà. Donc, je pense que je vais faire ça tout à l'heure aussi. Bon, j'ai pas grand-chose à faire hein, en soi, mais je pense que je vais retirer les petites étagères là, parce que ça fait très bordel. Mettre mon pot. Avec mes crayons et tout ça sur le côté aussi, comme ça je peux poser mes cahiers par-dessus. Et il faut juste que je trouve une solution pour l'anneau lumineux. Parce que je m'en sers quand même beaucoup quand je dois me vloguer ou quand je fais du bricolage ici.
Je ne sais pas, je vais voir. Je pense que je ferai ça tout à l'heure ou demain. Et voilà. Donc, sur ce, bah écoutez, il est 8h49. Voilà. Au revoir. Non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas tant que ça. Je vais pas vous prendre longtemps aujourd'hui parce que bah, j'ai Déji qui vient. Elle est revenue de vacances hier, donc hier ou avant-hier. Donc elle passe boire le café ce matin. Là, je viens de passer un coup de balai. J'aimerais bien, avant qu'elle arrive, tourner la fin de ma vidéo upcycling. Voilà, je pense que vous allez en avoir pas mal quand même parce que j'ai tellement d'idées, tellement de fringues de récup que vous allez avoir pas mal de ce genre de vidéos, je pense. J'espère que ça fera un peu des vues, ça change un peu du make-up. Et en plus, ça m'éclate, donc voilà. Sinon, je dois refaire mes ongles. Vous voyez pourquoi je fais pas souvent la pause américaine? C'est parce que chaque fois, je les arrache. Bien sûr, j'enregistre, le chien se lève. Les titis vont pas tarder à se lever aussi, je suppose. Bonjour, monsieur Propro. Au revoir, monsieur Propro. Je vais venir t'ouvrir. Ce matin, j'ai quand même passé 3 quarts d'heure à chercher une caisse assez grande pour mettre le lot du concours. Voilà, j'ai un peu abusé, je crois. Bon, elle n'est pas remplie, hein, du coup, parce que j'ai dû trouver une très grande. Hier, j'ai fait de la couture jusqu'à 1h30 du matin. Faut que j'arrête. Surtout que le chat m'a réveillé à 6h. Ouais, donc je suis un peu fatiguée. J'ai fait de la robe d'été de Jupy avec un des tissus que ma mère m'a ramené du brocanton, là. Oh, ça donne trop bien. Comme ça, vous verrez dans la vidéo bilan. Je pense que je vais devoir vous la tourner à l'avance et vous programmer d'autres idées. Là, il y a un truc que j'ai en tête, que j'ai envie de faire. C'est pas un tuto, c'est moi qui l'ai en tête. Donc, je pense que je vais le faire. Et je suis très fière des pièces que j'ai fait en upcycling ces derniers temps, là. Hier, j'en ai enchaîné trois, quoi. Je crois. Ouais, trois hier. Plus la robe le soir. Mais j'ai fait que de la couture quasi presque toute la journée. Parce que j'avais envie, voilà. Je me suis dit, tiens, je filme pas, j'ai pas mal d'avance sur mes vidéos. Enfin, pas mal. Tout est relatif, bien sûr. Attendez, je suis au mois de novembre. J'ai toute cette semaine-ci et j'ai les 2 vidéos de la semaine prochaine. Enfin, de la semaine qui vient pour vous, sauf le crash test Glam Shop et le mini haul Shein. Shein, ça sera quand je l'aurai reçu. Ce sera peut-être la semaine qui vient de passer pour vous. Et Glam Shop, c'est pour mercredi, sauf que bah, il faut que j'attende ma commande qui arrive normalement jeudi. Donc je pense que je la tournerai vendredi. J'ai mes réels pour la semaine qui vient de passer pour vous. Les autres réels de la semaine prochaine, pareil, il y a le haul Shein, enfin le try on Shein. Il faut que j'attende ma commande. Le Glam Shop, il faut que j'attende ma commande. Et ouais, j'ai décidé de commencer une série tous les samedis, enfin pas tous les samedis, tous les samedis pour l'instant, sauf si j'ai d'autres vidéos à placer suite à ma vidéo du vendredi, enfin d'autres réels, de faire des vidéos monochrome. Voilà, donc on va commencer avec l'orange, parce que j'ai envie d'orange, tout simplement. Voilà pour ça. Ça sera pour la semaine d'après, mais elle sera déjà faite aujourd'hui, donc. J'ai quand même pris un peu d'avance. Aujourd'hui, de toute façon, je ne saurais pas filmer. J'avais prévu de filmer le réel, justement, monochrome. Mais je ne peux pas filmer puisque Déji, elle va venir. Il est déjà 9h, elle vient d'ici 1h. Donc, je vais faire ma vidéo upcycling. Comme ça, tantôt, je pourrais me faire du montage. Et voilà. Alors, ah oui, il faut que je vous explique ce que c'est que le nouveau poste de Chéri. Qu'il aura. Il n'y est pas encore, hein, il faut d'abord qu'il fasse ses formations. Mais qui est Spaceman. Donc qui lui va très bien entre nous soit dit, mais il y en a beaucoup qui savaient pas ce que c'était. Alors je vous avoue que j'ai pas tout compris non plus. En gros, il va être en charge du placement des produits dans les stations-service. Par exemple, vous savez, quand vous allez à la pompe, vous avez tous les paquets de clopes. Ben, c'est une personne qui décide de comment agencer les paquets de clopes, par exemple, et c'est lui qui va devoir.
tout par ordinateur, organiser ça. Donc, space, voilà, placement, space main. En gros, c'est ça, mais après, il aura d'autres choses à faire aussi. Hein. Bon, de toute façon, il va avoir des gros clients à gérer. Donc, il n'aura pas que ça. Il va certainement. De toute façon, il se tape déjà le boulot du directeur. Donc, ça ne changera pas beaucoup. Mais voilà. En gros, c'est ça. C'est le placement des produits. Donc, tabac, chocolat, boisson. Voilà, tout ça. Dans les stations-service. Maintenant, je ne sais pas si c'est valable pour Shopee aussi. Parce que je sais qu'il est en charge de la chaîne Shopee. Je ne sais pas trop comment ça se passe après. Voilà, je ne sais pas si j'ai le droit de divulguer tous les détails non plus. Mais voilà, en gros, c'est ça, c'est l'agencement des articles qui vendent dans les stations qui livrent, en fait. On va dire que c'est à peu près ça. C'est le placement de. C'est un monsieur de placement. Spacepin, ça donne mieux quand même. Donc voilà, c'est Maël, je crois, qui m'avait demandé ce que c'était exactement. Mais je trouve que le nom fait bien. Voilà, lui aussi d'ailleurs. Sinon, j'attends pas de colis aujourd'hui, normalement. J'ai AliExpress qui devrait pas tarder à arriver aussi. Il est en Belgique là. Bon, là, il n'y a pas beaucoup, donc je vous montrerai ça dans ce vlog. Pareil pour la commande Glam Shop, je vous montrerai ce que j'ai pris aussi avec les prix et tout ça dans le vlog aussi. Comme ça, on fera juste le crash test des produits et je pourrai peut-être afficher les prix à l'écran. Il y a les titis qui sont en train de se laver dans la pochette, donc ça fait bouger la cage. Et du coup, le truc est vite. Bref. Sinon, hier, je ne les ai pas sortis. Sauf qu'à un moment, il y a Shadow qui a essayé de faire une fugue encore. Donc j'ai dû le rattraper sur la cage. Hier, j'aurais donné des blattes. Alors. Sky, c'est une super bonne chasseuse. Elle chope la blatte, elle la tue, elle la mange. Voilà, elle n'est pas à chipoter avec elle. Mais alors, Shadow, oh là là, la pauvre blatte. Je lui ai dit, t'en auras plus si c'est pour les faire souffrir. Faut pas déconner non plus. Voilà, je veux bien être gentille, je veux bien te nourrir avec des peu de choses vivantes, mais il faut les tuer, quoi. 6 fois, j'ai dû aller récupérer dans le bac en dessous la pauvre blatte, qui était en train d'agoniser de plus en plus à chaque fois, parce qu'il la faisait tomber, quoi. Mais il est con, mais je vous jure qu'il est con celui-là, oh, c'est un truc de fou. Donc pour finir, je l'ai engueulé, hein. J'ai dit, t'en auras plus. Bon, attendez, je veux bien, voilà, je comprends qu'ils doivent manger du vivant, mais il faut quand même pas les laisser souffrir, c'est que des blattes, mais quand même, c'est vivant quoi. Oh là là, je vous jure. Voilà, sinon le chien est très mou depuis que Lilo est plus là. J'espère qu'il n'est pas en train de tomber en dépression. Après, il joue quand même encore un peu quand les garçons vont dans le jardin et tout ça, il se défoule avec eux. Il mange, donc pour l'instant ça va, mais il est beaucoup plus calme du fait qu'il soit seul. Puis je pense qu'elle commence à lui manquer un peu aussi, donc ça devient dur là. Ça va faire une semaine. Oui, ça va faire une semaine vendredi. On n'est que mardi, hein, vous me direz, mais. Non, ça fera 2 semaines. Mais ça fera déjà 2 semaines. Pas si vite, ça. Ah, ça commence à se faire sentir, hein, son absence. On voit qu'elle est plus là. Quand j'appelle pour manger, il n'y en a plus qu'un qui vient. Quand je vais me coucher, il n'y en a plus qu'un qui monte. Quand je suis dans le canapé, je suis toute seule. Quand je suis dans le lit, je suis toute seule. Ah, gros, il monte avec moi. Hein. Il vient à la sieste avec moi, mais lui, il dort par terre. De temps en temps, il se couche avec moi dans le lit, puis après, il va se coucher par terre, mais. La plupart du temps, il dort par terre. Donc, j'ai plus ma petite boule qui me colle au cul pour me tenir chaud. Voilà. Donc, c'est tous des petits trucs. C'est plus les habitudes. Je vais dire, je vais pas dire que je suis pas triste parce qu'elle me manque et tout ça, mais disons que je suis pas. Voilà, ça m'a pas anéanti parce que. Elle avait son âge et j'ai pris la décision qui était le mieux pour elle. Donc je sais qu'elle a eu une belle vie, qu'elle est partie paisiblement, et ça me console, ça me donne moins de tristesse en fait, puisque j'avais pas d'autre choix, c'est pas compliqué. Voilà, je savais dès le départ que je la garderais pas éternellement, mais voilà, c'est plus son absence qui commence à se faire sentir. D'ailleurs, j'ai déjà été voir sur le site de la SPA, hein, c'est pour vous dire, bon, j'y arrive pas, hein, ça c'est un fait.
Je vais aller faire sortir le gros, lui mettre décongeler sa poulette. Je vais enfiler une robe. Je crois que j'ai encore mettre la robe que Manon m'a donnée. J'adore cette robe. Et voilà. Donc je sais pas si je vous reprends tout à l'heure ou pas. On verra bien. De toute façon, au pire, on se voit demain. Bon, je vous prends ici parce que je viens de filmer ma vidéo ici. Il est 13h19, il est tard. J'ai même pas encore mangé rien. Déjà, je viens de partir il n'y a pas très longtemps. Là, je viens de tourner ma vidéo upcycling. Avec des... Je suis très fière de mes petites pièces. Voilà. Que j'ai montré à Déjà, qu'elle a beaucoup aimé d'ailleurs. Et demain, elle vient me chercher pour aller filmer une vidéo. J'ai hâte, on va encore bien se marrer et deux jours de suite où on se voit, c'est la fête. Sinon, il me reste à modifier la petite robe que j'ai commencée hier, mais là je vais manger pour commencer, en continuant de regarder Pierre Bémard. Pierre Bémard, en ce moment, j'arrête pas. Je me refais toutes les enquêtes criminelles. Enquête impossible, c'est ça, hein? Je ne sais plus. Les enquêtes impossibles, voilà. C'est très vieux, hein, je les ai déjà tous vus, mais j'aime bien les regarder. J'aime beaucoup écouter Pierre Bellemare parler. J'ai rangé mon bureau à cause d'Emmy. Voilà. J'ai réorganisé mon bureau et ma boîte à couture. Je vais vous montrer, tiens. Je vous prends au téléphone et je vous montre ça. Et après, on suit toujours, du coup. Parce que après, je vais manger. Je ne sais pas si je vais faire une sieste ou pas. Il faut voir à quelle heure les garçons ils partent. Parce qu'ils ont prévu d'aller voir des potes. Je dois refaire mes ongles aussi et j'aimerais bien coudre. Voilà. Donc je vous reprends le téléphone, je vous montre le bureau et ma boîte à couture. Donc voilà comment j'ai organisé mon bureau. J'ai juste travaillé. Donc là il y a mon Mac en dessous, ma boîte à cassettes de grand-mère, mon tapis que j'ai déjà ressali avec un Bambi. Voilà, sans rien bien sûr. Souris pour le Mac et souris pour le PC portable où je fais mes montages. Donc ici, j'ai changé les étagères de forme, on va dire, hein. Je l'ai fait un peu plus carré et un peu plus haute. J'ai mis du coup mes tiroirs qui étaient en dessous de mon écran, je les ai mis là. Voilà, tout simplement. Là, il y a mes cahiers, ma batterie externe, mon to-do list. Là, je peux mettre l'appareil ici ou ici, suivant dans quelle position je me mets pour vlogger. Au-dessus, mon tabac et... Voilà, hein, pas bien, on ne fume pas. Et du coup, j'ai mis l'anneau lumineux carrément avec un clou au mur. Parce que voilà, c'est beaucoup plus pratique. Mon pot avec mes bics et tout ça. Et c'est pas mal comme ça. On va voir hein, si je m'en sors avec cette organisation-là. Mais je trouve que ça fait un peu plus de place et un peu plus rangé. Et donc, ma boîte à couture, je l'ai prise avec moi pour vous montrer. J'ai récupéré un truc comme ça, j'en avais deux, c'est bien. C'était ma boîte à make-up hein, quand j'étais jeune, maintenant c'est devenu ma boîte à couture. Donc il y a ma latte, ma grosse bobine de fil blanche, puisque la noire je m'en sers. Alors ici j'ai mis tout ce qui est pour le traçage et le pinceau pour nettoyer ma canette et tout ça, enfin l'embrassement de la canette. La petite pince à épiler qui me sert à choper le fil des fois quand il se barre. Mes petits ciseaux que j'utilise pour couper mes petits fils. Grand ciseau pour couper le tissu. Faut que je lave la boîte. Hein. Mon petit soulier d'épingle pour le fer à repasser. Et rien, mon maître ruban, voilà mes petits accessoires machine. Ici, pareil, épingle de sûreté, les canettes vides, le reste de ma boîte d'épingle, et ici mes aiguilles à coudre. Voilà, et le reste, j'ai tout mis dans une grosse boîte, dans une grosse boîte tout simple pour utiliser quand j'en ai besoin, ce que j'utilise pas tout régulièrement, quoi. Voilà, allez, sur ce. On suit 2 jours, je vais manger. Alors, il est 7h26. Je suis levée depuis plus d'une heure. Il me semble. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai dû me coucher tard à cause des titis. En fait, hier, on les a fait un petit peu ressortir avec les garçons. Mais en fait, ils courent autour de la cage. Voilà. Puis, ils comprennent pas encore trop qu'ils peuvent monter au-dessus. Ils adorent aller se mettre derrière la cage alors qu'on n'a pas accès pour aller récupérer. Là, il va falloir que je m'en occupe un peu. Il faut que je fasse la cage des titis, que je leur change l'eau. Pareil pour les chichous, il faut que je leur change l'eau. Je reçois ma commande Glam Shop aujourd'hui. Donc ça, je vous montrerai quand je rentre, enfin quand j'aurai reçu. Il faut que j'aille réveiller un des garçons pour qu'il soit là pour réceptionner mon colis au cas où il viendrait
Tant que je suis avec Deji, puisque Deji vient me chercher à 9h pour aller tourner un mukbang. Voilà. J'ai hâte. Je pense que vous aurez déjà vu la vidéo, puisqu'elle est... En principe, quand elle les filme, elle les poste assez vite, donc je pense qu'il n'y a pas de surprise. Voilà. Si jamais elle est déjà sortie, je vous la mets en barre d'infos, si vous voulez aller voir. Pour ceux qui me demandent un mukbang, et en plus un mukbang avec Deji, vous êtes servis. Ben, vous serez servis. Donc du coup, si je reçois mon colis pas trop tard, je pense que je filmerai la vidéo Glam Shop tout de suite. Qui est pour vous pour vendredi. J'ai modifié tout mon planning ce matin. Ça m'a pris, pouf, ça m'a toqué. J'ai déjà vous donné le planning, tu vois. Comme ça, je n'oublie pas. Le haul Shein, je sais toujours pas si c'est déjà passé pour vous ou si vous allez l'avoir cette semaine, hein, vu que ce sera en bonus. Donc le lundi, ma wishlist que vous m'avez demandé. Mercredi, la pause américaine que vous m'avez demandé. Et vendredi, le crash test Glam Shop. Et le vlog dimanche, voilà, comme d'hab. Hein. Et du coup, là, j'ai repréparé hier soir et ce matin. Parce que j'ai encore chipoté un peu ce matin. En fait, hier, je me suis fait... je me suis dit que toutes les chutes de tissu. Mamie, elle a gros chouchou. Pourquoi tu fais pas des chouchous? Comme ça, j'ai des chouchous assortis aux tenues que je fais. C'est pas con, moi. Il fallait penser. J'ai mis du temps à y penser. Donc, j'ai préparé tout pour faire des chouchous. Je vais très certainement vous en mettre dans les concours aussi. Enfin, dans le concours aussi. Voilà. Je sais pas si ça peut vous plaire, des petites pièces comme ça que j'aurais fait moi-même. Et du coup, j'ai préparé pour mes 5 projets upcycling suivants, puisque j'ai terminé la vidéo qu'il faut que je monte. Donc je pense que je filmerai l'intro aussi aujourd'hui, puisque j'ai 5 projets, comme ça je peux les commencer tout à l'heure. Enfin, je sais pas, ce soir je vais essayer de coudre un peu, mais je sais pas si je fais ma jupe longue ou si je fais mon upcycling. Après les deux, j'ai envie de faire les deux. Ah oui, hier j'ai commandé du tissu. J'ai trouvé un nouveau site de tissu, merci à ça, où tout les tissus, donc il n'y a pas de dentelle, de tulle, de soie et compagnie. Enfin, la soie, je n'utilise pas, mais c'est vraiment juste, c'est beaucoup du coton, du jersey ou des choses comme ça. Imprimé principalement, vous avez du Minky aussi, et il y a de l'Uni. Et ils sont tous à 4,99€ le mètre. Tous. Et du coup, j'ai trouvé. Alors, j'ai pris 2 géométriques. Parce que j'adore le tissu géométrique, c'est ce que je préfère. J'aime bien le fleuri aussi, mais il faut que ce soit des jolies fleurs, que ça fasse pas mes mères. Mais j'adore le géométrique, donc voilà. Principalement les chevrons, mais ça j'ai beaucoup de mal à trouver. Ou alors c'est toujours du jaune ou du rouge. Voilà, celui que j'ai trouvé moi sur l'autre site, j'ai eu du mal à le trouver. Mais alors j'ai trouvé un avec des papillons, j'ai trouvé un avec des plumes, et j'ai trouvé un avec des couronnes. Voilà, et ma mienne est contente. Donc je ne sais pas encore trop les projets que je vais faire. J'ai tellement de projets en playlist que voilà, je trouverais bien pour faire. Celui avec les couronnes, je pense que je ferai une jupe et un top au lieu de faire une robe. Comme ça, je peux mettre le top après tout seul. Et un chouchou aussi, voilà, pour aller avec. Mais comme ça, je peux mettre l'ensemble et ça fait une robe. Je peux mettre juste la jupe avec un haut noir ou un haut blanc, puisque c'est du noir. J'ai pris en noir et blanc, hein, le tissu couronne. Et je voilà, je peux, ça me ferait 3 pièces en une en fait, enfin en 2. Voilà, j'aurai le top, la jupe, ça me fait une robe aussi, et comme ça je peux le mettre plus souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc je sais pas trop qu'est-ce que j'en vais faire avec. Il faut que je trouve les modèles, quoi. Je sais ce que je vais faire avec, mais il faut que je trouve les modèles. Après je fais beaucoup des robes et des jupes parce que déjà de une c'est plus facile à faire. Et qu'en ce moment, je suis passion jupe. Mais le problème, c'est qu'en été, ça va être plus tendu. En hiver, ça va être plus tendu de les mettre, quoi. Quoi qu'il existe les collants et les leggings, ça. Mais bon, les tissus fins en été, en hiver, ça le fait pas trop, quoi. Là, je ne sais pas trop l'épaisseur du tissu. Je verrai, mais alors, c'est sur 1m50, donc 4,99€ le mètre sur 1m50. Il n'y a que le géométrique bleu, j'ai pris un gris et turquoise. Là, j'ai pris en 3 mètres, comme ça, je peux me faire une robe longue. Et les autres, j'ai pris en 2 mètres, parce que comme ça, je peux à peu près tout faire, quoi. Je peux faire au moins une pièce à chaque fois, soit un top, soit une jupe. Voilà. Que ce soit une jupe courte ou une jupe longue.
Je sais pas trop, je pense que les papillons, je vais faire une jupe cercle. Parce que je pense que ça sera très beau avec le mouvement et le motif. Voilà, il faut juste que je vois l'épaisseur du tissu, mais ça c'est pour dans 15 jours que ça, donc je vais recevoir parce que ils disent délai d'expédition entre 7 à 10 jours. Donc j'ai le temps avant de le recevoir. Maintenant, vous avez eu. Ouais, elle sort aujourd'hui pour moi. Vous avez eu la vidéo de mes projets couture d'été. Donc, le upcycling, ça viendra vraiment se mettre entre. Parce que j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de récup, de fringues. Ma mère a dit qu'elle allait trier sa garde-robe aussi pour me trouver des longues jupes ou des choses comme ça, ou des grands t-shirts qu'elle met plus, que je pourrais totalement recycler à mon aise. Parce que plus il y a du tissu, plus c'est facile de faire ce qu'on veut. Mais là, j'ai déjà quelques idées. Donc, j'ai 5 nouvelles idées. Donc, vous allez avoir. Voilà. Je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas. Ça change un peu. Moi, j'adore. Ça m'éclate. Je vous l'ai déjà dit. Ça attirera peut-être un autre groupe de personnes sur la chaîne aussi. Donc, voilà. Pourquoi pas. De toute façon, ça m'éclate. Et en ce moment, c'est ce que je fais. Donc, pour pas vous pomper dans tous les vlogs avec mes trucs de couture. Les petites vidéos comme ça, c'est bien parce que si vous aimez pas, vous regardez pas, et si ça vous intéresse, vous regardez, et puis voilà. Mais du coup, ouais, les petits upcycling, là, je vais les faire par 5. Je trouve que c'est une bonne distance de vidéo comme ça. Bon, après, je les fais assez vite, hein, j'avoue. Mais même si vous en avez une tous les 15 jours, ça dure pas trop longtemps. Voilà, si ça vous intéresse que moyennement, et en plus, ça me permet de ranger au fur et à mesure mes pièces. Là, j'ai tout mis dans la machine. Faut que je modifie les deux pièces que j'ai à modifier pour pouvoir les faire tourner. Et comme ça après je peux les repasser et les ranger, ranger ceux que j'ai déjà filmés et préparer ceux pour le projet couture de fin de saison, pour le bilan. Donc on verra bien. Voilà! Donc je vous reprends probablement au Digimobile. Je vais rentrer dans la Digimobile les gens. Et je vous reprends après quand j'ai mon colis. Je reçois aussi aujourd'hui la colo pour sourcils, alors que je devais l'avoir que demain. Mais j'ai reçu un message de UPS pour me dire que. Alors ça vient par UPS, c'est Amazon et je comprends pas. Donc comme ça, je pourrais crash tester ça aussi assez vite. Donc voilà, là il me reste le crash test Glam Shop pour vendredi et j'ai toute ma semaine prochaine. Et j'ai déjà une vidéo pour la semaine d'après, donc le projet de upcycling. Je vous l'ai mis à lundi, comme ça change pas sur les vidéos classiques pour ceux que ça n'intéresse pas. Je verrai après, suivant les vues, suivant si vos commentaires et tout ça, si ça vous plaît, à ce moment-là je pourrais les caser un autre jour. Mais le lundi, c'est normalement le jour de la vidéo bonus que je suis pas censé mettre, mais que je mets tous les lundis quand même. Mais du coup, comme ça vous pompe pas le reste de la semaine, quoi. Je sais pas si ça va vous plaire ou pas, donc j'espère. Franchement, j'espère, parce que j'adore ça. Enfin bref, bon, allez, sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà. Et t'es où? Attends, attends, attends. Mais t'es où? Pas là. Ah bah non, t'étais pas là, là, c'est sûr, on te voyait pas. Et je suis dans la Digimobile. Hey, la Digimobile, la Digimobile. On a mangé. J'ai mal au ventre. On a filmé un mukbang. Ouais. Allez le voir. Voilà, je vous mets le lien de. Oui, il faut que je fasse de la pub. Faut que j'arrête de faire des têtes comme ça. Puis t'as une qualité de malade, vu. Toi, avec ton GSM. J'ai pas vu. Bon bah voilà, ça va être la vignette. Bonjour. Exactement. Je vais bon. Faire tous tes abonnés, ouais. Non, ils aiment bien surtout quand on fait des têtes cheloues en miniature, ils aiment bien. Bon, bah voilà, et en plus, quand toi tu fais une tête chelou, je crois qu'ils aiment encore plus. Bon, bah voilà. T'as déjà vu les têtes qu'on fait sur nos vignettes quand même. Oui, c'est vrai que les vidéos que t'as. Oui, c'est vrai. Il est où ton. Non, il est où? Ouais, c'est là. Non, je regarde où est-ce qu'il faut regarder. Parce que j'ai pas mis ma pareille. Oui, là. J'aime bien regarder les gens dans des yeux. Un petit trou, là. Un tout petit trou. Donc voilà, je vlogue pas longtemps parce que bah déjà je dois faire pipi. Donc il faut qu'on rentre. J'ai résumé ma clope, donc il faut qu'on rentre. Et voilà. Donc je vous mets le lien du mukbang qu'on a filmé toutes les deux en barre d'infos. Double dose de nous. Double dose.
30 minutes, hein. 30 minutes de blabla de nous deux. Et 30 minutes de bouffe. Je mets jamais autant de temps pour manger, moi. 10 minutes, c'est expédié chez moi. Donc voilà, bon, j'allais voir parce que mon fils a réceptionné mon colis. En espérant qu'il ait réceptionné en entier et qu'il n'ait pas balancé contre le mur parce qu'il est fâché parce que j'ai réveillé. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous reprends de toute façon moi après pour vous montrer ma commande et. Oui, je ne sais pas comprendre. Hein. Allez, à tout à l'heure. Il est 11h11. Oh, j'aime bien 16h. Attendez, je suis coincée. Mais Georges m'a pas ramassé le tube qu'il a fait tomber, hein, pensez-vous. Donc j'ai reçu ma commande Glam Shop. Je vais vous montrer, comme ça je vous donne les prix en même temps. Par contre, je viens de voir que sur le récap de ma commande, il n'y a pas le prix avant déduction. Donc je vous donne les prix qui sont que j'ai payés et voilà quoi. Alors, pour commencer, j'ai pris pour tester pour le teint, le fond de teint. J'adore les packagings, ils sont vraiment très très mimi. Les petites étoiles. Et c'est un flacon en plastique. Ça, je trouve ça super bien. C'est très léger en main. Pourtant, il y a 30 ml. Ça a l'air d'être un flacon anti-air. Vous savez, qui remonte au lieu de se vider. Je l'ai payé 5,39 € et j'ai pris en teinte Alabaster. Alabaster 1. Je sais pas trop. Ça a l'air d'aller. Ce sera peut-être un... Non, il n'a même pas l'air trop clair. Ça a l'air d'aller. J'ai pris l'anti-cerne qui était à 4,58 €. Que j'ai pris en teinte numéro 1. Donc voilà. Il a un nom, mais c'est écrit en polonais. Même packaging avec les petites étoiles. J'ai pris la Glam Powder. Donc c'est une poudre libre, légèrement teintée d'après ce que je vois. Finish Powder. Attendez, est-ce que si je clique dessus. Ah oui, donc. Alors attendez, on recommence. Le fond de teint, j'ai pas pris de poudre de base et tout ça parce que ce serait fixateur parce que voilà j'en ai assez. Donc il est à 5,39 € à la place de 8,98 €, mais ça se finit dans 4 jours. Neutral shade, qu'est-ce qu'ils disent encore? Fini naturel. Il est mat. Full matte satin or radiant effect. Je ne sais pas. Il est buildable. Il a un effet lissant et floutant. Et longue tenue. Okay. On verra ça. L'anti-cerne, il est où? Il est là. Donc, il n'était pas en promo, mais là, il est en promo à 2,75 €. Moi, je ne l'ai pas eu en promo. Qu'est-ce qu'il dit? Medium to full coverage. Il hydrate le dessous de l'œil. Et voilà. La poudre. On en était donc à la poudre. La poudre. Je l'ai payé 1,99 € à la place de 3,97 €. Transparente. Soft finish. Illuminating. Maintenant, si elle est vraiment illuminatrice, je m'en servirai que pour le contour des yeux à la limite. Elle est recommandée pour les peaux sèches, matures, normales. Slightly, je sais pas c'est quoi, mais voilà, on testera. La teinte a l'air pourtant c'est marqué transparente, hein, mais elle a l'air quand même un peu teintée. Pour rester dans le teint, j'ai pris la palette Roma, donc c'est avec Tonchelita. Je connais pas, c'est une collaboration, mais voilà, c'est l'autre. Le packaging me plaisait plus, elle est un peu moins chère, mais les produits à l'intérieur m'intéressaient moins. Là, vous avez une poudre contouring, un bronzer, un blush et un highlighter doré. Mais quand même, donc je vais vous faire les swatchs. Je vous donne d'abord les infos. Donc moi, je l'ai payé 18,62 €. Elle est à 18,62 €. Voilà.
n'utilise rien de spécial pour le truc. Donc, alors, l'highlighter, blush, contouring et bronzer. Alors, le bronzer est très chaud. L'autre, est, il a l'air d'avoir une teinte parfaite. L'highlighter, c'est du doré. C'est pas ce que je préfère, mais il met toujours du doré avec ce genre de truc-là. Ce qui est chiant. Et il ferait mieux de mettre un blanc. Bon, après, le doré, c'est la base, hein. Donc, je crois que vous voyez pas grand-chose, hein. Oui, au swatch, c'est pas hyper convaincant, hein. On voit rien au swatch. Je sais pas si vous allez voir. Bon, l'highlighter a l'air lumineux, en tout cas. Attendez, je prends un mouchoir. Ça a pas l'air hyper convaincant au swatch, en tout cas. Donc, on testera ça sur la face, parce que ça veut rien dire. Alors, je me suis repris une palette vide que j'ai payée 6,07€. Donc, l'appareil de 12 phares. Elle n'était pas en promo. Non, elle est toujours pas en promo non plus. Et j'ai pris, alors, j'ai pris les 3 phares multichrome que j'avais pas déjà pris. Enfin, qui manquaient. J'ai les 3 autres. Donc, c'est les 3 ici. Donc, je sais pas si vous allez voir le duo chromage. Vous avez le premier qui est bleu mauve, qui est le Oh My God. Normalement. J'ai quand même vérifié en dessous, hein, pour pas vous dire de conneries. Ouais, c'est ça. L'autre ici, c'est le Blue Dragon. Donc là, c'est un multichrome doré, rose, bleu, apparemment. Il a l'air sublime. Et le Pink Frog. Donc, il est vert et rose. Donc, j'ai déjà vous swatché les 3 là. Grosse passion. Et comme ça, j'ai... Oh là là, oh là là, oh là là. Comme ça, je les ai tous et je vais switcher ma palette après pour mettre les multichromes ensemble. Alors, je sais pas. Oh, si, vous allez voir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, ils sont beaux. Oh là 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 là. Oh. Oh. Orgasme. Et j'en ai pris 3 qui étaient en promo du coup pour. Donc ils sont à 10,25 les multichromes, hein, voilà, c'est les plus chers, forcément. Mais ça vaut tellement le coup. j'ai pris donc 3 pour switcher dans mon autre palette où j'ai 3 déjà multichromes. Comme ça je mets ceux-là dedans et je garde une palette spéciale de multichromes. J'en aurai que 6 dans les 12. Mais comme ça, s'ils en sortent des nouveaux, j'ai plus qu'à commander les nouveaux. Pour compléter ma palette. Donc les 3 autres que j'ai pris, ici c'est le, il y a le mix ici, le Céladine ici et le, alors attendez parce que là c'est écrit constellation je crois, c'est écrit en polonais sur le site. Non ça c'est Pink Frog, j'ai pas pris le bon. Constellation, c'est bien ça. Donc j'ai payé 1,67 et 1,57 les 2 autres. Ils étaient en promo. Donc, pareil, on va les switcher. Alors, forcément, après le multichrome, c'est pas du tout pareil. Bon, le premier est beau. Ouais, ils sont beaux, hein, mais après, avec les multichromes, ça rend rien du tout. Quoi. Voilà. Et celui-là sur un fard noir, il ne doit pas être moche non plus. Et pour terminer, pour pouvoir tester les fards mat, j'avais craqué dessus, mais avec le prix, je ne pouvais pas. Là, je l'ai payé 35,04€ à la place de 52€. C'est la palette Alter Ego. Voilà. Donc elle est en collaboration avec By Amia. Lamia, Jamia. Comment c'est écrit? Ania. Et vous allez voir que waouh. Alors rien que les 3 là en dessous, voilà. Donc elle est bien organisée, j'aime bien. Vous avez les jaunes, les oranges, rouille, les roses, les un peu plus pêche, cerise ici en dessous, bleu turquoise, vert et bleu. Je trouve qu'elle est bien organisée. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lumineux.
pailletée carrément sur 28 fards de 1,8 g. Donc franchement, elle n'est pas... Même 50 euros pour la quantité de fards, ça va. Mais je trouvais que ça faisait quand même un peu cher. Mais j'avais craqué déjà sur le packaging. Voilà, je trouvais ça superbement beau. Et j'avais craqué sur les fards pailletés en priorité. Hein. Mais voilà, donc ça, on testera. Je ne fais pas de swatch maintenant. On la crash testera dans le crash test. Et je pense que je vous referai un swatch and make-up par après. Ou une palette look. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Et voilà. Donc, on a de quoi faire tout un make-up. Et j'ai hâte de tester tout ça. Donc, moi, je filmerai ça demain. Et voilà. Rien que les... Oh, les multichromes. J'en suis totalement fan de leurs multichromes. Ils sont un peu plus chers que les autres, mais je les adore, quoi. Voilà, voilà. Bon. Là, j'ai les enfants qui sont partis pour l'après-midi. Ils rentrent vers 4-5 heures. Donc, j'hésite entre aller faire la sieste parce que j'ai pas beaucoup dormi et profiter de la solitude et du calme. Donc, je pense que je vais profiter de la solitude et du calme parce que c'est très rare ces derniers temps. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire un peu couture. Parce qu'il faut que j'ai deux pièces à rectifier là et pour pouvoir faire tourner ma machine. Et j'aimerais bien attaquer les chouchous. Et peut-être les pièces, je sais pas. Donc je pense que je vais coudre. Voilà, ça me détendra, je serai au calme, toute seule, tranquille dans ma petite maison. Et voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, ensuite Jojo, moi je vous montrerai tout ça demain. Et voilà, ce soir, Gigi, apparemment, elle va poster le mukbang ce soir. Donc, tout à l'heure dans la journée. Donc je regarderai ça. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et c'est tout. Il faut que ça soit la cage des Titi aussi. J'ai pas encore fait. Je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. Donc... Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, on suit le jour. Alors, il est 8 heures. Je suis levée depuis très tôt. Mais j'ai bien dormi. J'ai dû me coucher très tôt aussi. Et je viens de dire à Amy que j'allais aller filmer tôt. Avant que les garçons se réveillent, mais du coup, c'est les Titi qui se réveillent, enfin Shadow notamment, qui viennent chez Nina bouffer. Donc, je suis en train de lui donner des verres. Sky n'a pas l'air motivé. Et c'est ce que je viens de dire à Amy, ils sont synchro, mais synchro qui m'emmerdent. Chaque fois que je parle d'aller filmer, ils se réveillent. Merde, j'ai écrasé un verre, c'est dégueu. Tiens. Ah, t'as pas fini. Dégueu. Je viens de lisser mes cheveux. Donc là, je vais aller tourner le crash test Glam Shop. J'ai essayé de commencer à ranger mon bazar couture. Voilà quoi. Sky, tu te lèves ou pas? Dépêche-toi, il a essayé de serrer la main, tu vois. Salut. Essaye de se barrer. Voilà. Et. Merde, tu parlais trop fort. Et donc là, ben, je vlog un peu. Et puis j'irai. Oh là là, le bordel là derrière. Oh, putain, faut vraiment que je range la baraque. Mais bon, je vais attendre la rentrée parce que les gosses, ils sont tellement bordéliques. Que plus je range, plus il y a du bordel ici. Donc, faut quand même que je vous raconte mes aventures UPS hier. Je suis fin énervée. J'ai envoyé un de ces mails. D'ailleurs, je crois que je vais en renvoyer un. Donc, hier, je dis aux filles, ah, ben, je vais à la sieste. Puis, je me couche et puis je dis, merde, j'attends un colis Amazon qui vient par UPS. Qui devait me livrer entre midi quart et 16h15. Du coup, je me relève et je dis aux filles, bah non, j'attends mon colis, donc je vais faire autre chose. Donc j'ai fait de la couture. Et j'attends. Bon, j'étais au calme parce que les garçons n'étaient pas là, donc j'ai profité du calme. Ça m'a reposé quand même. Et d'un coup, je vois une camionnette passer. Mais c'était pas marqué UPS, mais c'était une camionnette. Je dis, ah, ça c'est mon colis. Puis je vois la camionnette repasser, faire demi-tour et repasser devant la porte. Je dis, bah non, c'est que c'était pas UPS. Et puis, juste quand je me dis ça, je reçois un mail pour me dire que j'étais pas chez moi, qu'il avait pas su me déposer mon colis.
J'ai dit, non, mais ils se foutent de ma gueule. Je suis chez moi H24, je sors pas, j'attendais, en plus, j'ai pas été à la sieste exprès pour avoir mon colis. Donc, j'ai envoyé un message. D'abord sur le. Enfin, j'ai envoyé sur le chat automatique. Et c'est que des réponses automatiques. Hein. Y a personne qui vous prend en charge. Hein, voilà. Donc là, j'ai un peu vidé mon sac. Et là, je pense que je vais quand même envoyer un mail pour qu'ils aillent bien. Il est même pas sorti de la camionnette, puisque je l'ai vu passer. Il a fait demi-tour et je l'ai revu passer. Mais il est pas sorti de la camionnette du tout. Et je dis qu'ils viennent pas dire que la sonnette ne fonctionnait pas ou quoi, parce que le chien, si quelqu'un s'approche de la porte, il gueule automatiquement. Donc non. Ah là, j'étais vénère, quoi. Tu viens ou pas? T'en veux plus? Tu veux encore un? Attendez, je vous le montre. Quoi, pour l'instant, il est caché. Ah, il fait sa toilette. Shadow. Coucou, mon bébé. Bébé Shadow. Tu fais ta toilette. Oh là là, quel beau gamin. Quel beau petit gamin. Bonjour. Bonjour. Tu veux un verre? Attendez, je vais choper un verre. T'en veux encore un? Ah ben, tu l'as fait tomber. Ah non. Cette pause. J'allais dire, tu ne sais pas te mettre droit pour manger. Je me dis, pourquoi que ça fait? Je ne sais pas si vous entendez, mais ça fait un bruit monstrueux quand ça bouffe ces trucs-là. Voilà, pas si vous mangez. Donc bref, autant vous dire que j'étais fin énervée avec cette histoire là hier. Ah bonjour ma petite Sky. T'es réveillée. Ah, attendez, je vous montre Sky, elle vient. Voilà à quoi j'ai droit comme petit minois du matin. Bonjour ma titi. Et bonjour à maman. Bonjour ma titi. Oh oui, petit gâté du matin. Oh oui. Non, pas morte, mais en dessous des ongles, ça fait mal. Bonjour ma titi. Tu descends manger des verres? Hein? Tu viens? Une photo. Séance photo pour madame. Et nous avons donc Shadow qui attend son verre. Oh, il n'y a pas de verre, maman, tu m'arnaques. Tu m'arnaques, maman. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous voulez pas craquer là-dessus? Ce matin, j'ai mis du foin à Gougou, mais enfin au chichou. Il n'y a que Gougou qui se réveille un peu le matin. Et il essayait de se barrer. Alors, il me faisait des gâtés, des bisous et tout pour essayer de sortir. J'ai dit, non, tu sors pas cette heure-ci. Hier, du coup, comme j'ai pas été assise, ils sont sortis de midi et demi à 18h. Donc, autant vous dire que à la fin, on les voyait plus. Hein. Ils étaient cachés, ils dormaient parce qu'ils avaient couru tout l'après-midi. Ils étaient en forme. Moi, j'ai quand même en donné un dans le panier à Sky. J'aime pas leur donner dans la poche. Comme je crois qu'elle est prise. Ah oui, on a vu avec DG, il y a des petites boules sur son ventre. Donc, si c'est pas des pépés, c'est des kystes. Donc, je préfère que ce soit des bébés, hein, autant vous dire. Mais je pense quand même qu'elle est prise. On voit quand elle marche, on voit qu'il y a son ventre, il pend un peu des deux côtés. Donc. Voilà. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser là pour l'instant. De toute façon, j'ai pas grand chose à vous dire. Ouais, j'avais que ça à vous dire. Il y a un autre truc que je viens de penser, mais je viens de l'oublier aussi sec. Oh, j'ai mis un commentaire ce matin. Bon, il est bloqué, hein, c'est un commentaire bloqué parce que le monsieur est marqué, on s'en branle. Enfin, le monsieur. Si on peut appeler ça un monsieur, parce que vu la classe internationale de ses commentaires. Après, il y a, à part le on s'en branle, c'était pas vulgaire, quoi, mais c'était. Vraiment la pire chaîne au monde, raconter sa vie comme ça, coupe tout, enfin voilà, on s'en branle, coupe tout. Ben merci d'être passé sur la pire chaîne au monde, monsieur. Voilà. Je ne sais pas si il avait peut-être pas fait caca ce matin, comme disait. Peut-être qu'il était un petit peu constipé.
ne sais pas. Mais en attendant, t'es quand même venue regarder. Voilà. Ah là là. En tout cas, ça m'a bien fait rire. Donc, bon matin. Il y avait un autre truc que je viens de penser que je voulais vous dire, et puis bah, je ne sais plus du coup. Et j'attrape mal au bras parce que je tiens mon appareil, mon téléphone. Et celui-là, il mange les verres. On a l'impression qu'il gomme un spaghetti. Parce qu'il y avait beaucoup plus de temps à en manger, donc elle en mange beaucoup moins. Et si jamais elle est pleine, il lui faut plus de protéines et de calcium. D'ailleurs, calcium, il faut que je trouve pour qu'elle mange un peu de calcium. Parce que pour l'instant, elle ne mange rien qui contient du calcium. Donc, je ne sais pas trop quoi lui donner. Je vais peut-être leur donner un peu de poisson. J'ai sorti un pilon de poulet, puis j'ai donné au chien parce que j'avais oublié de leur donner. Je sais pas, j'aurais bien. Ah oui, si jamais. Donc, j'ai vu que la première vidéo couture avait l'air de bien vous plaire. Enfin, de vous plaire. Ça vous intéresse peut-être pas forcément autant que certaines autres vidéos, mais... Ça vous a quand même intéressé, donc ça, bah déjà ça me fait plaisir parce que voilà, c'est comme je viens de dire à Amy, je rentabilise bien le cadeau de chérie, hein, ça fait des années que je veux une machine, bah je la rentabilise. Et du coup, si vous voulez participer, vous pouvez vous m'envoyer un mail, si vous voulez m'envoyer si vous avez des chutes de tissu pour ceux qui me font, ou des vêtements que vous n'utilisez plus, que je peux customiser. Ou alors des élastiques, tout simplement, parce que les élastiques, ben, au final, rien que pour faire les chouchous, j'ai commencé à faire des chouchous hier, rien que pour ça, ça prend de l'élastique, et ça fait vite un petit budget supplémentaire, parce que ça, c'est pas tout recyclé. Moi, j'en ai récupéré un peu de certains fringues que j'ai coupées. Donc là, hier, j'ai fait celui-là pour aller avec la tenue que j'ai fait avec ce tissu-là. Et j'ai fait, alors pour l'instant il y en a qu'un, mais je dois en faire encore trois autres. J'ai fait celui-là avec un vieux short de pyjama qui était détendu. Donc là il y en aura quatre, donc comme ça il y en a un pour moi, un pour chaque fille et un pour vous mettre dans le lot du concours. Voilà, c'est des petites conneries, mais et là j'aimerais bien faire avec ce tissu-là, parce que j'adore les chouchous en dentelle et on n'en trouve pas facilement, mais j'ai pas d'élastique noir. Petit quoi. Donc il faut que je regarde pour trouver un bout d'élastique que j'ai et le couper à la bonne taille. Et hier, je me suis fait un top, donc ça, vous le verrez dans le bilan couture hein, du mois, avec un des tissus que ma mère m'a ramené. Il est trop beau, le tissu, une fois porté. Voilà, le rendu est super beau. Et là, du coup, je suis en train de me faire une jupe longue droite, fendue, en me basant sur la jupe que j'avais achetée en solde, là, léopard rose fluo, là. Ben, je vais faire le même modèle, en fait, j'ai pris les mesures carrément de la jupe que j'avais, puisqu'elle me tombe nickel, donc j'ai pris les mêmes mesures, j'ai rajouté les marges de couture, hein, bien évidemment, et je suis en train de faire ça, donc je continuerai ça tantôt, voilà, sinon ça m'éclate, et puis bon, le upcycling, ça m'éclate aussi, donc ça vous aurez régulièrement des vidéos, mais voilà, pour vous dire, si jamais vous avez du tissu que vous n'utilisez pas, des vieux draps, des vieux rides, enfin des vieilles tentures, des choses comme ça que vous savez pas trop quoi en faire et que vous voulez me les envoyer, ou des vêtements que vous n'utilisez plus, vous m'envoyez pas juste une culotte, hein. Mais si vous avez des t-shirts hein, et tout ça avec un beau tissu, ben voilà, si vous savez pas quoi en faire et que vous voulez me les envoyer, vous m'envoyez un mail et je vous donne mon adresse et vous pouvez me les envoyer. Voilà. Après, il y a toujours aussi le bouton thanks pour m'aider, parce que ça revient plus cher de se faire de ses vêtements que de les acheter au final hein, quand on voit les prix sur Chine. Bref, mais il y avait toujours un autre truc que je voulais vous dire mais je sais toujours pas c'est quoi, donc écoutez, moi je vais m'occuper des titis, je vais tourner ma vidéo avant que les gosses se lèvent et attendre mon colis Shein. Après je tournerai le haul Shein et si je retrouve ce que j'avais à vous dire je vous reprends quand j'aurai retrouvé ça. Bon, je vais clôturer le vlog. Je viens de recevoir ma commande Chine et il manque deux articles, deux fois le même. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais essayer de les contacter après. Ce qui est bizarre, c'est que quand j'essaie de faire retour, je peux pas parce que c'est un produit soldé. Et quand j'essaie de leur dire qu'il est manquant, il n'est pas noté dans ma commande. Pourtant, c'est pas noté que je vais le recevoir dans deux colis. Donc, je sais pas. Je vais regarder à ça après. Donc j'ai reçu ma commande AliExpress, je vous montre vite ça avant de clôturer parce que après je vais aller donc tourner le... Ça fait bizarre, je suis très claire. Je vais donc aller tourner le haul Shein puisque c'est pour ce soir pour moi.
Donc j'ai reçu mes trois petits articles d'AliExpress spécial couture. Hein. Voilà, il n'y a rien de bien extraordinaire, mais je vous mets toujours les liens en barre d'infos si ça peut vous intéresser pour la couture ou pour autre chose. Donc j'ai d'abord pris un coupe-fil. Alors attendez, parce qu'avec le téléphone, c'est pas évident. Alors, voilà, ça s'utilise comme ça, c'est beaucoup plus facile que de mettre les doigts dans les ciseaux. Il y en avait 5, c'était un lot de 5, mais ça revenait moins cher que d'en acheter un à la pièce. Donc là, j'en ai utilisé un, j'en ai mis un de côté, et je vais en donner un à ma mère, parce que c'est bon aussi pour l'instant, elle fait du crochet. Et comme ça, elle mettra les deux au brocanton, les deux suivants, si ça me permet de récupérer mes sous. C'était pas bien cher, hein. Attendez, je vais reprendre. Je vais vous donner les prix en même temps, hein, tant qu'à faire. Faisons bien notre job. Mais ça me fracasse pour la Chine. Il faut vraiment que je règle ça. Alors, les 5 coupe-fil étaient à 4,71 €. Voilà, donc ça a l'air vraiment 2 euros pièce, ça me rembourse mon truc. J'ai commandé aussi donc mes petites pinces de couture qui remplacent les épingles. Donc ça va être beaucoup plus pratique que les épingles. Il y en avait, c'est un lot de 50 pour 3,27 €. 3,73 € avec les frais de port. Donc voilà, je suis bien contente. Bien sûr, je les ai pris en vert. Et j'ai pris un crayon de traçage, donc crayon acré pour tailleur, 20 pièces. Donc vous avez deux stylos en plastique et 20 points ancrés pour mettre dedans. Et c'est beaucoup plus précis que les petites craies basiques, quoi. Donc voilà. Après, j'aurais plus qu'à regarder si je peux retrouver des recharges, mais je pense qu'avant d'utiliser les 20, là, j'ai un petit peu de temps, surtout que j'ai acheté des frictions pour quand j'ai des tissus clairs. Là, c'est plus adapté sur les tissus foncés. Mais voilà. Maintenant, je vais tourner le haul Shein. Après, je ferai le montage du haul Shein, puisque je dois vous poster ce soir. Donc, il faut que je m'active. Voilà le top que j'ai fait. Oui. J'ai fait ça hier et après je fais ma jupe qui va avec. Voilà, c'est trop beau. J'aime beaucoup ce système de colle avec la lanière qui passe dedans là. C'est très beau. Allez, je vous montre en entier. En avant-première sur le bilan couture. Voilà. Et le tissu, pour 5 euros, j'ai assez pour me faire l'ensemble quand même. Donc, je vous montre. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce. Ah oui, ça, c'est le make-up du Crash Test Glam Shop. Donc, vous verrez ça. Quand est-ce que je vous ai dit? Vendredi. Voilà. Voilà, 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 voilà. Il va falloir aussi que j'aille chercher, donc, du coup, mon colis Amazon Okora, puisque ce foutu livreur de merde n'est pas foutu d'utiliser une sonnette. Alors du coup, c'est moi qui vais devoir bouger mon cul, alors que lui, il est payé pour le bouger. Mais que monsieur sort même pas de sa camionnette. Quoi. Voilà. Après, je veux bien, il y a des fois où c'est pas possible, ou des fois où je suis pas là, mais c'est tellement rare que faut pas déconner. Quoi. Voilà, voilà, je sors quand même pas de chez moi. Donc, en plus, j'avais réveillé les gosses exprès pour mon colis Glam Shop, justement. J'avais réveillé Sam pour qu'il soit là pour le réceptionner au cas où mon colis arriverait quand j'étais avec DJ, ce qui était le cas d'ailleurs. Et j'ai pas été à la sieste exprès pour réceptionner l'autre colis et je l'ai vu passer devant ma porte comme un con et il s'est pas arrêté devant ma porte. Donc il peut sortir n'importe quelle excuse, c'est moi qui ai raison. Non mais, trou du cul, t'as fait ton boulot quoi, t'es payé merde. Ça c'est un truc qui m'agace au plus haut point. Alors moi j'ai encore de la chance, je sais me déplacer, mais... Imaginez quelqu'un, une personne en fauteuil roulant, une personne âgée qui a personne pour la transporter et tout. Elle fait exprès de commander les trucs sur Internet plutôt que de les acheter en magasin. Et elle se retrouve à devoir trouver une solution pour se faire emmener, chercher le colis, parce que le livreur n'a pas voulu sortir son cul de la camionnette. Non mais on va où là? Putain, oh, 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 oui, mamie énervée. Je décollerai pas de cette histoire. Ça, c'est un truc que je supporte pas. Parce qu'il n'a même pas été sonné chez un voisin ou quoi que ce soit. Même que ma sonnette serait en panne, je veux dire, le chien, il entend quand quelqu'un approche de la porte ou quand une voiture ou une camionnette se garde pas loin. Il est tellement habitué à ce que je réceptionne des colis que, bah, d'ailleurs, la voiture du facteur, il la connaît très bien. La camionnette Postenel aussi, il la connaît bien. Mais non, 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 c'est ton boulot, quoi. Je sais pas. Non, là. Enfin, bref. Bon, allez.
Sur ce, je vais aller filmer mon home. Ça fait 50 fois que je vous le dis, mais je serais peut-être pas en. J'ai mis un petit peu chargé ma batterie parce que j'avais plus beaucoup de batterie. Donc, comme ça, c'est pour ça que je suis avec le téléphone. C'est parce que la batterie de l'appareil elle charge. Il faut que je nettoie la tâche des Kiki aussi. Donc, sur ce, on switch le jeu. Petit poids sur Mimi. Ah oui, attends, faut que je le fasse après aussi. Coucou! Je suis belle! Mais tu es qui? Regardez la réalité des youtubeuses beauté. Tu es toujours belle, voyons! Comme un camion de poubelle. Un beau camion de poubelle alors. Un très un camion de poubelle de luxe. Ah! Alors, je suis un peu passe quand même là. Il faudrait que je trouve pour surélever un peu. Attendez. Bougez pas. Non, bougez pas, j'ai dit. Ah. Oh. On a trouvé la bonne hauteur pour les vlogs. Voilà, donc ce truc-là restera là. On est bien, Tintin. Oh oui, très bien. Vous avez un propos sauvage, mais il n'est pas très bien le propos. En plus, il est en train de s'arracher les poils au-dessus de la queue. Donc, je me demande s'il commence pas à nous taper une petite dépression. Bon, après, quand je lui donne des friandises, ça se passe mieux. Donc, il est 8h43, comme vous avez pu le voir. C'était Café Potin ce matin avec Mimi, comme très souvent. Mais là, ça faisait un bout de temps qu'on ne l'avait pas fait. Avec les congés scolaires, c'est pas évident. Et en plus, là, à partir de ce soir... Chérie est en congé pour 15 jours, donc je ne pourrai pas café potiner pendant 15 jours. Donc, hier, j'ai fait la jupe qui va avec le top que j'ai fait. Aujourd'hui, je vais faire des chouchous et des rubans avec les chutes de tissu. Comme ça, je ne gaspille pas de tissu. Franchement, j'ai adoré ce tissu. Franchement, pour 5 euros, il y avait quand même 1,80 m sur 1,50 m. Voilà. Franchement, contente. Donc, on discutait avec Mimi. Je vous épargne les commentaires débiles sous mon haul Chine. Vous avez qu'à aller voir. Je vous remets le haul en barre d'infos. Il est sorti hier et les gens sont débiles. Mais alors, débiles au plus haut point. Voilà, parce qu'apparemment, acheter du Made in China. Apparemment, il y a eu un. J'étais pas au courant, moi, de cette histoire-là. À propos des Ouïghours, mot que je viens d'apprendre parce que je ne connaissais pas du tout. Apparemment, il y a eu tout un scandale qui entourait Chine. Amy m'a bien dit que ça avait été prouvé que c'était faux. Manon m'a dit qu'ils avaient sorti la même histoire pour Primark. Donc voilà, quoi. Il faut arrêter d'écouter tous les hoax qui passent parce que sinon vous n'avez pas fini. Enfin, bref. Mais apparemment, le Made in China est vraiment très mal vu. Sauf que ben, ces personnes-là utilisent un ordinateur ou un téléphone pour me mettre les commentaires et les trois quarts, voire les 9/10 des composants sont Made in China, hein, de vos téléphones à la mode, vos PC. Voilà, donc, comme j'ai dit à une, pour pouvoir faire des reproches du genre à d'autres personnes, il faut être irréprochable sur le sujet. Alors, achète que du Made in France. Si tu as les moyens, tant mieux pour toi. Écoute, j'ai envie de te dire. Voilà, bref. Donc, le sujet. Quand j'ai discuté avec Amy, c'est à propos des vidéos bilan couture. Je vais. Parce que là, j'ai quand même déjà 6 pièces que j'ai terminées. Donc, je pense que je vais faire plusieurs bilans, que je vais plus faire les projets, parce que bon, là, c'est beaucoup du blabla où je vous explique ce que je vais faire, mais. Comme vous pourrez le voir dans le bilan, j'ai un petit peu changé certaines choses. Donc, il y aura les bilans couture une fois que j'aurai 5-7 pièces. Ça dépend du travail de la pièce, quoi. Et les vidéos upcycling qui iront par 5. Donc, à mon avis, il y aura beaucoup de vidéos couture. Voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Là, j'ai hâte de voir ce que va donner la vidéo upcycling. Donc, c'est que le lundi 22, hein. Je suis désolée, mais voilà, j'ai beaucoup d'avance là. Je suis jusqu'au 22. 23, même avec le réel. Mais je pense que je vais quand même en faire plusieurs, faire que des bilans en fait. Je vais pas faire par saison, mais une fois que j'ai fait assez de pièces, je vous fais une vidéo bilan.
Maintenant, on discutait avec Amy. Moi, j'y avais déjà pensé, puis elle m'a dit que ça serait bien, du coup, connexion à chaque fois avec elle, d'incorporer des petits close-up, des étapes, en fait. Maintenant, pour le bilan couture, je ne sais pas si ça peut être intéressant pour vous de me voir coudre, puisque je vous mets les tutos en barre d'infos. Mais pour le upcycling, je pense que ça peut être sympa, au moins que je vous montre la découpe des choses que j'ai, enfin que je modifie. Peut-être vous montrer un peu les coutures, où je vais faire des coutures et tout ça. Ça sera peut-être plus parlant pour vous que de juste vous montrer l'avant-après et de vous expliquer juste les défauts qu'il y a. Comme ça, ça peut peut-être vous donner des informations sur le procédé si vous voulez faire la même chose. Bien que je vous explique, mais avec le visuel, c'est comme elle disait Amy, avec le visuel, c'est plus parlant. Donc, je pense que je vais incorporer ça au moins dans les upcycling. Maintenant, dites-moi si dans les bilans couture, ça peut vous intéresser aussi. Voilà. Mais je pense que j'ai pu faire les projets, puisque ça varie suivant les nouveaux tutos que je trouve, les tissus que j'achète et tout ça. Donc, parce que là, quand je vais recevoir ma commande de tissus, voilà quoi. Les papillons, par exemple, je vais faire une jupe cercle, parce que ça sera topissime pour l'été. Les couronnes, je vais faire un ensemble jupe et top. Comme ça, j'ai trois pièces. Enfin, ça me fait jupe, top et robe, comme j'ai fait avec le tissu fleuri, là. Donc voilà, par contre j'adore le modèle de jupe que j'ai fait là hier, très facile à faire en plus. Donc voilà. Ça je vous tournerai peut-être la prochaine fois que j'en fais une, parce que comme je l'ai fait par rapport à une jupe que j'avais déjà achetée, comme ça vous avez le procédé voilà, pour les mesures et tout ça, peut-être vous expliquer. Moi je me suis basée sur la mesure de la jupe que j'avais, mais... comme ça, je peux vous donner les mesures exactes si jamais... Enfin, bref. Et voilà. Bah, dites-moi en commentaire ce qui est le plus parlant pour vous, en sachant qu'il y a deux catégories. Hein. Donc, les vidéos couture, où je crée le vêtement à base d'un tissu basique, et le upcycling. Mais c'est vrai que je pense que pour le upcycling, ça sera plus parlant si je vous mets des petites captures du procédé. Voilà. Donc ça, je ferai au moins pour le upcycling. Et dites-moi si ça peut vous intéresser pour le bilan couture. Donc voilà. Donc là, je vais tourner aujourd'hui le bilan couture, le premier, qui sera pour vous vendredi 26. Voilà. Oui, ben, j'ai 15 jours d'avance, les gars. Et là, j'ai toute ma semaine prochaine, en fait, celle qui va arriver pour vous. Et moi, j'attaque maintenant, du coup, la semaine d'après. Voilà, j'ai toujours au moins une semaine et demie d'avance, donc je tiens à garder cette avance. Parce qu'après, quand j'ai une lubie et que je vous mets une vidéo par jour, je perds mon avance. Donc il faut que je la récupère. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je pense que le vlog est déjà bien assez long. Il y en a qui vont être contents. Moi, j'avais rien d'autre à vous dire. Je ne crois pas. Je réflecte. J'avais rien noté là, non. Je devais juste clôturer. Sous mon chin, vous pourrez aller voir la stupidité de certaines personnes. Mais sinon... hier, on a fait sortir un peu les titis avec les garçons. Shadow a visité un peu mon bureau. Je vous ai fait une story sur Insta et un TikTok sur le compte des Nanimaux. Donc, je vous le remets en barre d'infos aussi. Je crois qu'il y est tout le temps, je ne sais pas. Mais... Voilà. Et... Il a été jusque sur la poutre. Et là, quand j'ai vu qu'il était sur le coin de la poutre, il faudrait peut-être que je pense à faire la poussière, t'inquiète là-dessus. Parce que je voyais la poussière voler en dessous du truc. Donc voilà, on a bien rigolé. Et c'était chouette. Il commence. Voilà. Là, on y a été plus soft. On les a laissés dans la cage. On les a laissés sortir quand eux, on avait tout ouvert. On les a laissés sortir comme eux voulaient. On les a pas brusqués. Et du coup, ils s'aventurent de plus en plus loin. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne au fil du temps. Hein, mais avant qu'ils arrivent jusqu'au rideau de eux-mêmes, ça fera un an. Voilà, parce que vu comment qu'ils avancent que centimètre par centimètre sur le mur d'activité, on n'est pas prêt de les voir à l'autre bout. Et bon, on recommencera un petit peu ce soir et puis on verra bien. J'ai bien dormi cette nuit. Ben, j'ai été me coucher tard, j'ai été me coucher à 1h30. Mais je me suis levé à 7h30, mais j'ai bien dormi. Je me sens bien reposée là en ce moment. Ça fait 2-3 nuits que je dors bien. Par contre, hier j'ai été à la sieste. Alors je suis montée à 1h.
et je me suis réveillée à 5h quand Thierry est rentré. J'ai entendu la porte, j'ai dit oh, oh, tout ça. Pourtant, j'avais bien dormi la nuit, donc je me suis dit, je vais faire une petite heure de sieste, histoire de digérer, quoi. Mais non, j'ai dormi 4 heures. Écoutez, c'est mon corps en a besoin, hein, de toute façon, je voulais faire, donc j'en profite. Voilà, bon, moi je vais faire mon teint, je vais me préparer pour aller tourner mon réel et le bilan couture. Et question vidéo, ce sera bon pour aujourd'hui. Après, ce sera couture. Faut que je nettoie la cage des titis aussi, absolument, ça fait deux jours que je l'ai pas fait. Ouf, ça pue. Et donc voilà. Mon chien est parti se coucher dehors. Il profite du bon temps avant qu'il fasse trop chaud. Je ne sais pas ce qu'il prévoit aujourd'hui comme, comme température. On verra bien. Bref, sur ce, je vais faire mon teint et aller filmer. Et donc, j'ai plus qu'à clôturer ce vlog. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. De laisser un pouce en l'air. De répondre à toutes les questions que je vous ai posées tout au fil du vlog, parce que je ne sais plus, ça fait beaucoup, hein, ça fait une semaine, donc je ne sais plus tout ce que je vous ai demandé. On se retrouve donc, je vous ai déjà donné le planning, mais pour résumer, lundi, wishlist, mercredi, la pause américaine, vendredi, le crash test Glam Shop, et vendredi, dimanche, le weekly vlog. Voilà! Allez, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous!